Salut, c'est Ladan. On est le 2 juillet 2019, on est chez BMW, comme vous voyez là. Et là, j'ai commandé il y a quelques mois la nouvelle BMW S1000 RR 2019. Et voilà ce que j'ai commandé. Ça va devoir ressembler à ça. Enfin, ça doit ressembler, non, ça ressemble à ça. Voilà, c'est celle-là, la BMW S1000RR 2019. Pour info, elle fait 207 chevaux pour 193 kilos. Voilà, on va faire un petit tour de la moto pour vous montrer quelques petits détails. Normalement, c'est 24 375 euros. Voilà, comme je vous ai dit, 207 chevaux. Et là, 197 kilos, mais c'est pas 197 kilos, c'est 193, puisque là, on a. Je vais juste mettre ça comme ça. Là, on a des jantes en carbone. Vous voyez, qui sont très légères. Ce qui fait que voilà, des jantes avant-arrière en carbone, qui fait que elle fait que 193 kg et demi pour être exact. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de feu arrière. Et le feu arrière est intégré dans les clignotants. On a une selle, la selle M, qui est hyper dure. Je confirme qu'elle est hyper dure. Elle est hyper dure. J'ai vu les reportages des essayeurs, les journalistes moto. Et ben, ils disent que. Ils disent bien que c'est hyper dur, mais oui, je confirme que c'est dur. Je l'ai essayé, c'est très dur. Ensuite, je vais vous montrer le grand écran. Ça, par contre, c'est génial. Je sais pas si on peut faire quelque chose, oui. Ah non. Là, il n'y a pas de batterie. Bon, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais à mon avis. On ne peut pas la brancher. De toute façon, ici à Clermont, là, ils ont reçu ça. Ils ont reçu la moto il y a quelques jours. Donc forcément, là, pour l'instant, on ne peut pas regarder. Ils ont mis la clé, mais quand on met comme ça, comme on met on, il n'y a rien. Bon. Je l'ai commandé aussi avec les suspensions puis semi-actives. Piloté, enfin suspension pilotée. Je vais pas rentrer dans les détails puisque moi je connais pas beaucoup de. Alors le shifter, up down, montée et descente, à la montée et à la descente. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Je sais pas. Peut-être tout simplement la moto. Entière. Les feux avant sont à LED. Regardez tout ça là, ça s'allume ici et ici. Avec le petit signe RR ici et ici. S1000 RR.
Après, si vous voulez beaucoup plus de détails techniques, bah, il faut aller voir sur Internet les essais des journalistes. Là, moi, je vous montre la moto. Comme ça. Sans plus de détails. Ça, normalement c'est pour l'écran et ça aussi les pneus sont des Metzeler. Metzeler. Les freins et plus de Brembo, mais c'est des freins BM. Hein. Qui sont, d'après les journalistes, aussi efficaces. Et voilà. Voilà la nouvelle BMW. La 6000 RR. 2019. J'aime pas trop les petites soudures aussi apparentes. C'est. Ça fait pas. Enfin, c'est moche quoi. Pour une moto à 20, presque 25 000 euros. C'est comme ça. Et l'amortisseur direction, l'amortisseur, pardon, l'amortisseur arrière, il est piloté aussi. Enfin, je pense, je sais pas. Sûr que le devant, les devants aussi. Il y a, je vois dedans un gros amortisseur de direction là-bas. Ce qui est normal pour une moto sportive. Le toucher de frein. Il est pas mal, franchement, enfin c'est joli. C'est il y a une couche de plastique, je crois, qui le rend plutôt agréable, moi je dirais, au toucher. Normalement, il y a les poignées sont il y a des poignées chauffantes. Chauffantes, je sais plus. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Je crois que j'ai fait le tour. Donc après. Voilà, voilà la 6000 RR 2019. C'était Aladdin et je vous dis à bientôt.